بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهرون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يقيه الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه حادي محمد صلى الله عليه وسلم وشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة On se retrouve par la grâce d'Allah pour un nouveau cours de péché et guérison. Le troisième, là. Donc on va reprendre avec le point 1, puisque dans le cours 1... On avait fait la présentation de l'ouvrage, puis ensuite l'introduction avec la question, les premiers conseils globaux. Et on va entamer donc le premier point des 108. L'invocation est un remède. Le Doha, un grand remède. Une arme, un grand remède. L'invocation est un remède des plus bénéfiques. C'est ce qui est dit en préambule. L'invocation, c'est un remède des plus bénéfiques. Et je le dis, avant même de lire, que ceci est bien évidemment vrai. Et le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala apporte ici l'apaisement du cœur aux croyants. C'est une arme, comme on va le voir dans le hadith, c'est une arme. C'est une arme redoutable, hein, notamment contre le mal, contre ses ennemis. Et cette invocation-là peut, bi euh, apporter notamment, oui, sécurité, mais aussi guérison. Guérison à, à la personne qui invoque. D'accord? Donc, ici, comme on dit, péché et guérison. Le point 1 qui est cité, c'est l'invocation, qui est un remède. D'accord? C'est négligé par beaucoup de gens. Euh, notamment par rapport aux maladies. On l'avait cité dans le cours précédent, quand hein. Quand il me disait qu'il était tombé malade, qu'il s'était soigné avec le Fatiha, etc. Donc, c'est dans le Fatiha, on invoque Allah, hein. il, y a, il y a le Doha à l'intérieur même de cette, cette Surah. Ma sha Allah. Et ici, quand on parle de guérison, on lira cela au, au péché. On ne parle pas qu'une maladie, euh, une douleur ou un, un, un symptôme de, de ce type, c'est pas ce qu'on dit ici. Quand on va parler ici de, de guérison, de remède, c'est par rapport à nos fautes. C'est ce que j'ai expliqué dans l'audio qui est disponible, alhamdulillah, sur ma chaîne. Euh, je crois que c'est Noyer sous les péchés ou quelque chose comme ça. Quelque chose du genre. Noyer sous les péchés, que faire Ou je ne sais plus exactement. Ou paralysé par les péchés, enfin, bref, débordé par les péchés. Voilà, comment faire pour s'en sortir. Et j'avais cité euh, dans, les, dans les conseils que j'ai pu donner voilà le fait d'invoquer Allah, notamment de se rappeler de la hawla la quwwata le sens que ça a, Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, sans remettre à lui seul, subhanou là, lorsqu'on se sent ici justement trop faible. Et bien, quand on est dans, dans certains péchés qui justement nous obscurcissent le cœur, affaiblissent nos, nos forces, nous rendent quelque part malades. On est malade du péché. On est malade. Et on sait comment s'en sortir, on sait comment guérir, et il faut invoquer là. Hein Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont ici dans une passion, comme c'est cité ici dans le livre, on l'a vu, hein, euh, ça traite de tous les péchés. Hein. Là, les conseils, la guérison, c'est pour tous les péchés, mais c'est concernant l'addiction de euh, de l'amour fou, voilà, la, la passion, l'amour passionnel et tout ce qui en découle, la zina, etc. Quand euh, quand une personne elle, est dans ça. En général, j'ai bien dit en général, c'est pas vers cela donc vers ce remède là, vers cette invocation là qu'elle se tourne en premier lieu à part euh, ce qu'Allah a inspiré. Mais la plupart des gens, et ils ont tort d'ailleurs de ne pas aller dans cette, dans cette voie parce que c'est là que se trouve la porte de sortie très facilement, très très facilement. On peut se sortir euh, ici d'un amour passionnel destructeur, voilà, d'un amour fou, c'est vraiment le mot fou, il est il est bien bien cité. On peut s'en sortir via le tawakkul Allah Azzawajal, via l'invocation. Mais je le dis, j'allais le dire, la plupart des gens, malheureusement, ne se tournent pas vers Allah lorsqu'ils sont dans cela. C'est pour ça qu'ils s'enlisent dans cela. C'est pour ça qu'ils s'enlisent très longtemps, très très longtemps, et qu'ils dépérissent, malheureusement, dans cette passion nauséabonde. Ils cherchent d'autres moyens. Ils cherchent d'autres moyens pour euh, supporter cette passion, oublier cette passion. Et malheureusement très souvent des moyens haram. C'est-à-dire que la personne était déjà dans une destruction, et pour oublier ce mal euh, qui la ronge, voilà, cette, cet amour passionnel, cette chose qui ne peut pas partir, cet amour fou, la personne va se mettre euh, à faire du haram, il y en a, ils vont se noyer dans l'alcool, il y en a, ils vont se noyer dans, euh, comment dirais-je, dans, dans la musique, il y en a, ils vont se noyer euh, dans la haine, voilà, il y en a, ils vont se noyer... Dans, le, dans un trop plein, même des fois dans un trop plein de travail, euh, voilà, ils cherchent divers moyens finalement pour oublier la chose et au final ils n'oublient pas la chose par cela, la chose ne fait que revenir encore un peu plus fort, alors que s'ils s'étaient tournés, donc ils ne guérissent pas au final, ils ne guérissent pas et même ils rajoutent d'autres maladies à leur problème. S'ils s'étaient tournés vers Allah, ce -là, sincèrement et qu'ils l'avaient invoqué pour sortir de ce problème, ils auraient certes guéri, vraiment. Avec un doigt sincère, on peut voir à quel point le cœur peut se retourner, puisqu'on sait que c'est Allah qui retourne les cœurs. C'est pour ça qu'on dit yam al albi al Au toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ah. Allah, il peut faire ce qu'il veut. Ton cœur, il peut être brisé le lundi, en pleurs le lundi, et il peut être fort le mardi, et tu peux être dans la joie et le sourire le mardi, réellement. Hein? Réellement. Parce que Allah retourne les cœurs comme il veut. Encore faut-il l'invoquer, l'implorer sincèrement, subhanahu wa ta'ala. Il ne pas se tourner vers d'autres moyens pour s'en sortir. Mais les gens désespèrent parce qu'il y a peu de foi et peu de tawakul. Cool. Ils désespèrent. Ils se disent, c'est juste avec une invocation comme ça que réellement ça va changer ma vie. Oui, réellement ça va changer ton état. Si tu savais d'ailleurs, il est cité en premier, hein, ce n'est pas anodin. Le premier point, hein, les premiers conseils ici euh, donnés dans la lutte de ce mal-là, parce qu'on l'a vu dans la question du, du, du personnage, de l'homme, il n'arrive pas à s'en défaire. Il a conscience que cet amour fou le ruine. Ah. Et combien de nos frères et sœurs aujourd'hui sont ruinés euh, via une passion, via une passion euh, amoureuse. Ils sont complètement ruinés de cela, d'accord Donc ils, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Le premier remède qui est cité, c'est l'invocation, c'est pas pour rien. C'est se tourner exclusivement vers Allah, c'est At-Tawheed. Et les résultats sont réellement extraordinaires, réellement extraordinaires. Plus on va mettre de foi dans cette invocation, plus on va mettre d'intensité... Et plus euh, l'effet sera euh, grandiose et efficace. Non. Donc, je vous dis euh, ce qui est écrit. L'invocation est un remède des plus bénéfiques. Elle est l'ennemi du mal. Elle le repousse, lutte contre lui, l'empêche, le fait disparaître ou l'amenuise. Et elle est l'arme du croyant. Rien que ça, là. On pourrait faire un cours complet sur juste ça. L'invocation, c'est l'ennemi du mal. Quand tu es dans ce type de passion, tu es dans un grand mal, on est d'accord Mais sache que ce doha là vient ici combattre ce mal. Elle peut repousser le mal. C'est-à-dire s'il ne t'a pas encore touché, par exemple, lorsque tu crains le mal d'autrui ou quelque chose. Elle repousse le mal, l'invocation. Elle lutte contre lui s'il est là, présent. Elle l'empêche. Elle le fait disparaître ou la menuise. Eh oui, ta peine. Ta peine peut disparaître avec une invocation. Ta peine liée à cette passion peut disparaître via une invocation. Ou bien alors, en tout cas, amoindrir ici euh, la sensation de mal-être. C'est via le dhikr, c'est via les adiyat sincères qu'on peut guérir d'un tel, tel mal. Et qui, à notre époque, je dis ça en toute sincérité, qui à notre époque, sauf ceux et celles à qui Allah fait miséricorde et réellement ils ont été préservés d'un grand, grand mal, qui peut aujourd'hui dire euh, euh, qu'il n'a jamais souffert euh, d'un amour passionnel Aujourd'hui, à notre époque, là, vous tous qui m'écoutez, je ne sais pas combien de personnes vont écouter ce cours, peut-être 100, peut-être 200, peut-être 300, peut-être 400, peut-être 500 en fonction des vues. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et tout, de toutes ces personnes-là, moi je vous interroge, si vous m'écoutez là, n'avez-vous pas déjà souffert que vous soyez un homme ou une femme d'un amour passionnel Quelque chose qui vous a complètement détruit, qui vous a ravagé l'esprit, qui vous a mis dans des états pas possibles, dont vous n'arrivez pas à vous défaire Sincèrement, qui n'a pas déjà ressenti cette chose-là Très peu de gens peuvent dire « je ne connais pas cela », d'accord et qui n'aimerait pas se sortir de ça si euh, il l'a connu, il a encore des, des traces de cela ou s'il est encore dedans bien sachez qu'avec l'invocation, on peut faire disparaître ce mal et effectivement, ou on, au moins, au moins, euh, vraiment amoindrir cette sensation de, de mal-être. Le but, voilà, c'est que ça, ça disparaisse ou en tout cas réussir à supporter cela pour ne plus être dans le dans le mal et être euh, dans cet aspect justement maladif. Parce que quand on est dans ce type de, de, de passion, de péché, euh, regardez les gens, comment ils parlent, comment ils se comportent, comment ils sont. Ils sont vraiment dans un état maladif. Réellement. C'est quelque, euh, quelque chose de terrible. Donc vous avez le premier des remèdes. Et vous savez quoi faire maintenant pour vous, euh, vous sortir de ce mauvais pas. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa a dit « L'invocation, c'est l'arme du croyant. Le pivot de la religion est la lumière des cieux et de la terre. Une arme, donc. Une arme. Une base dans le din et une lumière. Et bien sûr, on a déjà fait, well, ou Lila. je suis très content de cette série, parce que c'était vraiment bénéfique. En 23 cours, on a déjà fait euh, donc la série sur les invocations, les règles, les erreurs à éviter, tout plein de nuances, tout plein de détails. C'était vraiment très important et très agréable à faire. Cette série de quoi. Donc je vous la recommande. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle, bien sûr, lorsqu'on parle d'invocation. C'est pas juste dire, oui, bon, il faut invoquer. Vous voyez, il y a, il y a justement, hein, revenir à la série de cours. C'est long pour certains, 23 cours. Mais 23 cours qui vont tellement changer votre vie. Si vous ne savez pas comment invoquer, ou qu'est-ce qui bloque les invocations, ou qui vous invoquer, en l'occurrence, Allah, en vérité, il y a des gens ils ne connaissent même pas. ne connaissent même pas réellement les détails. Donc ils, ils invoquent, mais ils ne sont pas convaincus, ou ils font plein d'erreurs dans l'invocation, et du coup, ils ne voient pas de changement. D'accord Une invocation, on sait, il y, y a des lieux, il y, y a des moments, il y a des manières de faire, il y a plein de règles. Et ici, je ne peux pas tout redétailler, d'accord Je ne peux pas euh, tout redétailler, bien qu'on va voir dans les points suivants, parce que les points qui suivent, en tout cas le 2, le 3, le 4, parce que j'ai sous les yeux, traitent justement des détails liés à l'invocation. Donc on va en reparler un petit peu, parce que ça fait partie du livre, mais je ne peux pas vous refaire les 23 cours, évidemment, euh, ici. En tout cas, je vous recommande vivement cette série. Voilà, qui est disponible sur la chaîne YouTube en entier. Et, euh, et car Elle nous facilite à comprendre euh, les nuances liées à l'invocation et nous facilite à l'invoquer. il dit l'invocation bénéfique agit de trois manières face au mal. Si elle est plus forte que le mal, elle repousse. Si elle est plus faible que le mal, celui-ci domine, atteint le serviteur, mais l'invocation peut l'atténuer, même si elle est faible. Et s'ils sont de force égale, ils s'empêchent l'un l'autre. Donc ça c'est en fonction de ce que tu vas mettre Comme intensité dans ton, dans ton doha Et en fonction de comment toi tu es au point dans ta foi Par rapport à ton invocation C'est pas l'invocation encore une fois le problème L'invocation c'est l'invocation C'est toi, c'est la personne qui invoque Qui sera ici euh, euh, On va dire euh, le, le curseur De la force en vérité C'est la personne, c'est pas l'outil C'est comme une épée, et même, il en parlait aussi je crois de ça une épée c'est une épée, on est d'accord Mais en fonction de celui qui combat avec Les dégâts ne seront pas les mêmes Donner une épée à quelqu'un qui sait pas se battre là, Sur un champ de bataille Et à quelqu'un qui sait très bien se battre, un guerrier C'est pas la même chose Mais Les invocations il faut les considérer de la même manière Ce sont des armes très efficaces Mais si tu ne sais pas t'en servir Ça va être compliqué pour toi Et comment savoir se servir des invocations En étudiant la tawhid Comme d'habitude Aïcha, radiallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa a dit « La précaution n'empêche pas la prédestination. il le fait de se, de se protéger, de faire les causes, d'être précautionneux, ça n'empêche pas le qadar. Et il dit ensuite « L'invocation est, est utile face à ce qui survient et à ce qui ne survient pas. Le mal peut descendre, voir l'invocation venir à sa rencontre et qu'il s'entrechoque jusqu'à Yom HaKiyamah. Nah. » Ibn Omar et il rapporte que le messager d'Allah sallallahu a dit l'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas alors invoquer au serviteur d'Allah qu'est-ce que ça signifie qu'elle est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas face à ce qui survient c'est ce qui est déjà là donc par exemple pour repousser un mal qui est déjà là notamment toi tu es dans ta voilà dans ta dans ta maladie, dans ta, dans ta passion par exemple ici on reprend l'exemple de l'amour fou tu es dedans, tu es touché par ça donc face à ce qui est survenu, qu'est-ce que tu peux faire Invoquer pour repousser cette chose-là où on a vu amoindrir le mal. Et face à ce qui ne survient pas, face à ce que tu crains, nahm. des choses qui pourraient éventuellement te toucher, des choses que tu, tu ressens, que tu as des doutes, nahm. angoissé par rapport à certaines choses, invoque. Invoque Allah et repousse le mal de toi. Et ceci est bénéfique. Et beaucoup de mots, beaucoup de mots, en fonction de la force de ton invocation, pourront être épargnés parce que tu as invoqué. Ça, c'était dans le radar, bien évidemment, Allah savait que tu allais invoquer. Mais il se peut, invoque. Qu'énormément que de mots t'ont été épargnés par la cause de ton invocation. Ne négligez jamais les hadiths, il croit Par rapport au mal des chariatines, au par rapport à un certain nombre de choses, aux maladies ou quoi, ne, ne, ne négligez jamais l'invocation. Invoquez votre Seigneur pour qu'il vous pardonne et qu'il vous préserve. C'est très, très important. Et je suis triste de voir, après, bien sûr, je ne vois pas tout le monde, mais de voir, en tout cas, si je prenais un panel comme ça parmi les imams, de, de voir que si peu de gens finalement invoque et évoque Allah, voilà, on est, on est au travail, voilà, on est dans ci, on est dans ça, on fait les prières, quand je dis on, encore une fois, je parle ici sans, sans méchanceté, mais justement, voilà, avec un, un peu de tristesse dans la voix, parce que c'est tellement dommage, c'est tellement dommage de voir euh, les musulmans dans un si piteux état, finalement, mais parce qu'ils n'utilisent pas les moyens mis à leur disposition pour se préserver, pour être dans l'honneur, pour être heureux, en fait, voilà, ils négligent beaucoup de choses. Donc on les voit se précipiter voilà, dans le travail, dans les discussions futiles, dans le haram, dans, dans un certain nombre d'occupations, de, de préoccupations. Et euh, divers éveils, je vous dis, ça peut être euh, une, journée, une journée type de ci si ou de ça. Et au final, très peu de temps pour le din, très peu de temps pour l'étude de la science. Les salawats, si elles sont faites, elles sont bâclées. Et l'évocation, l'invocation d'Allah, c'est très rare. C'est peu, c'est peu, c'est très très peu. Il y, a, il y a peu de gens qui s'attachent vraiment au Adkar, qui s'attachent au vikr après la prière, euh, qui en soujoute passent du temps à invoquer Allah. C'est vraiment, c'est peu. Alors pose-toi la question, peut-être que tu n'es pas concerné par cela. Si tu n'es pas concerné, well, Alhamdulillah, continue sur cette lancée. Ne te sens pas euh, préservé, il n'y a rien d'acquis, mais remercie Allah euh, d'avoir facilité en cela, et puis continue. Puis bah, prêche-toi aussi autour de toi, à qui tu peux, être tes frères et sœurs, pour qu'ils qu qu ou qu'elles changent. Et c'est ce que je fais ici. Maintenant, si toi, tu ne te sens pas concerné, et que, tu es bien, tant mieux. Mais si tu te sens concerné par ces remarques, ces critiques justifiées, et puis, euh, bah, je vous dis, c'est plein de bonté ce que je vous dis. C'est parce que c'est pour vous. Vous passez à côté d'un grand bien. Si vous vous sentez voilà, concerné, essayez de faire des efforts. C'est vraiment de faire des efforts pour mentionner Allah le plus possible et l'invoquer le plus possible. Ça change toute votre vie, en fait. Qui est préservé Celui qui invoque Allah. Celui qui se refuse à invoquer Allah ou qui... Soi-disant n'a pas le temps. En vérité, il est dans un mal immense. Il est dans un mal immense. Et il n'en a même pas conscience. Il n'en a même pas conscience. Allah l'a privé de cela. Être privé d'invocation, wallahi, c'est pire que d'être privé de repas. C'est pire que d'être privé de manger. Allah t'a accordé ta subsistance, tu as mangé, tu dis Alhamdulillah, bien sûr. Mais si Allah t'a privé de l'invoquer, c'est-à-dire qu'il ne veut pas t'entendre. Imaginez un peu, je crois qu'on l'avait vu ça dans les, dans les, dans les cours sur l'invocation, justement. Imaginez un peu cette cette peine, mais est-ce que les gens pensent à cela Les gens, malheureusement, ils sont dans le dunya, ils se disent, bon, Alhamdulillah, je suis au chaud, bon, Alhamdulillah, j'ai bien mangé, bon, Alhamdulillah, kada, kada, kada. » bon, on l'a même vu, euh, malheureusement, on entend des gens qui aujourd'hui disent Alhamdulillah, même pour du haram, ils ont du haram, ils disent Alhamdulillah, on aura tout entendu, malheureusement, même pour des choses licites, admettons, voilà, on passe en revue tout ce qui est chose de dunya, puis on dit, alhamdoulilah, je suis préservé, mais il se peut que la personne n'ait même pas évoqué ou invoqué son seigneur de la journée, ou si peu. Peut-être qu'elle a dit trois fois Subhanallah. Peut-être qu'elle a dit quatre fois Inshallah. Vous comprenez. Peut-être qu'elle a dit dix fois Alhamdulillah. On va dire, c'est mieux que rien. Mais si peu. La personne a mentionné Allah si peu et surtout ne l'a même pas invoqué. Dans la journée, elle n'a même pas dit Ya Rab, Oh Allah, Allah, ceci, Allah, cela. Rien. Mais elle se dit Alhamdulillah, je suis préservé aujourd'hui, j'ai eu ci ça. Allah t'a privé du, de la meilleure des, des nourritures, en fait de la meilleure des subsistances. À savoir quoi, le fait de l'invoquer. Mais c'est pas à pleurer ça. C'est pas à pleurer. Donc toi, si tu m'écoutes, fais-toi un bilan de ta journée ou des jours passés. À quel moment t'as évoqué et invoqué Allah À quel moment Quand on dit évoquer, c'est de le mentionner. Et quand on dit invoquer, c'est que non, tu te tournes vers Allah pour lui demander quelque chose. Hein, c'est ça la distinction entre évoquer et invoquer. Voilà. Donc, euh, comment Comment tu te situes, toi, par rapport à ce que je viens de dire Et je, je fais une à mon âme en premier. Comment on se situe par rapport à ça C'est une triste journée, une journée où tu n'as pas mentionner Allah ou peut mentionner Allah. Ou tu ne l'as pas invoqué, tu ne lui as rien demandé. Imagine que tu as été privé de ça. Ça, c'est dû à tes péchés. Malheureusement, malheureusement, Allah n'est pas injuste. Et, et donc, malheureusement, plus on va être ancré dans les zones, dans, dans les péchés, bah, plus on sera privé de ça. C'est un, un châtiment, en fait. Et plus on est loin des péchés, plus Allah nous facilitera cette chose-là. Parce que le fait de, de l'invoquer, c'est une grâce. Et Allah ne donne pas cette grâce à n'importe qui. Donc effectivement, si ton cœur il est dirigé vers Dounia, si ton cœur est dirigé vers les, les péchés, il se peut fortement qu'Allah te prive de choses, notamment du fait de l'invoquer, et d'autres choses aussi. Et c'est là la perte évidente. Si tu es privé d'invocation, tu es privé de tout bien. Et remercie plutôt ton Seigneur si Allah t'a inspiré le remerciement, l'invocation de ceci, de cela. C'est très important. Tu es dans un réel appartement où tu es dans ta religion. Même si des choses de Dounia peuvent être douloureuses, ça on l'a toujours dit. Et tu n'es pas dans un rire si même dans des choses de Dounia ça va, mais dans ta religion, c'est ouelou, c'est difficile. Hein Et quand on dit euh, religion, je parle d'implication réelle dans la religion. Avoir les deux pieds dedans, c'est pas juste se dire je suis musulman, je suis musulman, Alhamdulillah, c'est l'essentiel. Voilà. Tout juste, comme je dis, trois fois, charla par jour, quatre fois, Alhamdulillah. j'ai bâclé mes prières, mais c'est pas grave, je suis musulman, je suis musulman, vraiment. Du, du bas de gamme, du laxisme, de la totale. Mais il y a beaucoup de gens qui se contentent de ça. Ah, oh, mais je suis dans le din C'est pas ça être dans le din en fait. Ça, c'est prendre le din comme. Euh, pff, ouais, comme un. Je sais même pas comme quoi en fait. Ouais, comme quelque chose de secondaire en fait. Comme quelque chose de secondaire. Je j'ai même pas à dire un hobby. Même pas un hobby parce que pour un hobby, les gens donnent plus de temps. Malheureusement, les musulmans de nos jours donnent plus de temps à leur, euh, à leur euh, hobby justement. 4 din. Din, j'ai l'impression que c'est la dernière roue du carrosse, malheureusement, pour énormément de musulmans. Énormément. Les gens n'ont plus cette saveur de foi, parce qu'ils n'ont même pas la définition de la foi, même à la base. C'est quelque chose de, de façade, voilà. C'est juste de façade. Et il euh, n'y a pas de réelle pratique. En fait, le din n'est pas au centre de leur vie. Le voilà, din, c'est périphérique, voire extra-périphérique. Je dirais même... Euh, euh, <laughs> C'est encore plus loin, hein. encore plus ou l'année encore plus écarté du, du centre. Alors que normalement, DIN à l'islam est censé être le centre de notre vie, réellement. Tout doit tourner autour de din. en fait. Toutes tes choses, tes, euh, comment tu vas penser, comment tu vas parler, comment tu vas agir, ce que tu vas faire de ta journée, etc. Comment tu t'organises, en fait. Tout ça doit tourner autour de din l'islam, mon frère, ma C'est essentiel. Si dans ta vie c'est comme ça, puis ça doit faire que ça continue comme ça et que tu t'améliores encore. Mais si le din c'est glisser de Din juste dans des petits trous quand il y a du temps, quand il y a envie, quand. Après les passions, après la dunya, après si, après le halal, comme après le haram. Bon, s'il reste un peu de temps, s'il y a un peu d'envie, on verra pour Din. Là, c'est très, 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 très triste. Là, c'est vraiment d'une grande tristesse. Alors interrogez-vous aussi. Après, je ne sais pas si ceux qui écoutent les cours euh, seront des gens qui seront touchés par ça, mais si vous connaissez des gens. Qui sont un peu comme ça dans l'insouciance, le laxisme, faites-leur écouter. Wallahi, qu'on les déteste pas. On s'égosie à les exhorter, c'est pour qu'ils reviennent. C'est tellement triste de voir quelqu'un qui se dit, voilà, de la communauté de Mohammed, de la communauté musulmane. Subhanallah. De, voilà, de, de, de le voir, je dis, vraiment au fond, au fond, au fond, au fond, au fond du placard, quoi. Et après pleurer, parce que dans sa vie, il n'a pas de khir, parce qu'il a des épreuves, ou parce que c'est difficile. Remets Dine au centre de ta vie, tout va s'arranger. C'est tout le temps, je me rappelle une phrase comme ça de cher Raslan, il le disait, c'était un audio de lui je crois, ou une vidéo je ne sais plus, il disait euh, en gros, hein, en substance, que tu es musulman euh, à chaque instant en vérité, à chaque instant, tout le temps. <laughs> Même quand tu es aux toilettes musulman, je dois penser comme un musulman, quand tu t'adresses aux gens, quand tu vas là-bas, quand tu fais ci, en permanence, musulman, c'est pas juste quand il reste un petit peu de temps, oh tiens, je vais être musulman un peu comme ça, non. Dès que tu ouvres tes yeux, nah, quand tu dors, c'est différent parce que tu n'es pas, je ne vais pas dire que tu n'es pas toi-même, mais tu n'as plus la raison. Tu es endormi, donc tu ne sais pas, voilà. Et quoi Et quand bien même, je vais vous dire une chose, une petite anecdote par rapport à ça. Allah Akbar, dans mes rêves, en tout cas en ce moment, en ce moment, parce que parfois on fait tous des cauchemars, c'est aussi par rapport au péché, des fois les djinns nous embêtent la nuit. Mais en ce moment, je fais, je fais souvent des, des rêves qui ont rapport à des choses à des choses de vie, mais il y a toujours une pointe de digne dedans. Je me rappelle l'autre jour euh, euh, avoir fait... C'est vrai, hein, Avoir fait un, un rêve où je... Sans rentrer dans le détail, parce qu'il faut pas trop expliquer voilà, le contenu de ces rêves ou quoi ou okay, qu'est-ce, mais euh, bien que on l'avait vu dans, dans un cours, j'en avais fait un audio qui s'appelle Rêve et Cauchemar, d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce thème. Voilà. Euh, quand c'est quelque chose de bien, ou pour y avoir une bonne interprétation en parler qu'à des gens de bien, pour pas susciter des jalousies ou des haines, etc. Je pense que ceux qui m'écoutent m'apprécient, après il y a toujours des rageux et des haineux qui écoutent, juste pour le simple fait d'écouter et de me détester, mais c'est pas très grave, je rentrerai pas dans les détails ici, mais je parlais à une personne, je passais du temps avec une personne que je n'avais pas vue depuis longtemps, écoutez bien l'histoire, et à un moment donné je lui faisais d'arwa, je lui faisais d'arwa, donc un rêve plutôt, plutôt agréable, il s'avère que quelques jours plus tard j'ai rencontré cette personne-là, va akbar et on s'est vu, et voilà, je lui ai parlé un petit peu, et tout, donc c'est drôle, c'est, voilà, Alors, on va voir ça fait aussi monter la foi, ce genre de, ce genre de choses, et, euh, et tout simplement, tout simplement, donc, à part quand on dort, ben, je veux dire, on n'est pas maître de notre, de corps, ou quoi que ce soit, est, on, est, on est ailleurs, hein, l'âme s'envole, donc c'est encore différent, mais en tout cas, dès que tu te réveilles, les choses les plus bénignes, quand tu sors de chez toi, que tu fais ton activité, ou quoi, ou qu'est-ce, tu rentres chez toi, et tu vas te coucher, à chaque moment, il y a un rapport avec ton din, Que ce soit avec ta langue, qu'est-ce que tu vas mentionner comme chose, comment tu vas évoquer, comment tu vas invoquer Allah. Tes pensées, même tes pensées, doivent être traitées, fait arme euh, Ton comportement, euh, ici, tes, tes, tes actions. Voilà. Tu dois être tout le temps, et constamment, dans l'idée que tu es un musulman ou une musulmane qui est scruté par Allah. Voilà. Musulman, en fait, c'est. Je ne vais pas dire que c'est un travail, mais. Si on peut dire, c'est un job à, pl à plein temps. Entre guillemets, un job. Hein. C'est une fonction à plein temps. Voilà. Et malheureusement, ben, pour beaucoup, je dis ça vraiment avec de la, de l'amertume dans, dans la voix, pour beaucoup, ben, c'est devenu quelque chose, je ne même pas dire secondaire, tertiaire, ou fin, vraiment à la fin, à la toute fin. Dean, c'est devenu euh, une chose euh, bâclée, négligée. Tout passe avant. Tout passe avant les prières. Voilà, tout passe avant euh, les règles, les règles de bienséance, le haram il est banalisé, voilà, je trouve mille et une excuses, c'est triste, voilà, avec le din on a des oui mais, mais dans la dunya il n'y a pas de oui mais, mais pour din il y a toujours une bonne excuse pour ne pas faire les choses, voilà tout, pour repousser, pour, pour décaler, pour voilà, c'est dommage, il ne peut y avoir de bonheur ici bas et dans l'au-delà, euh, Sandine, et quand je dis Sandine, c'est pas simplement une fausse appartenance, comme je dis ici, mais euh, Sandine, c'est-à-dire Sandine réellement euh, compris, appliqué et mis au centre de notre vie. C'est impossible. Vous cherchez quelque chose qui n'existe pas, comme je dis, le soleil en pleine nuit. Vous ne le trouverez jamais. Vous cherchez ça. Du bonheur Sandine, impossible. Comment nous facilite à nous accrocher à notre religion et sur ce sujet, Thaouban, radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Rien ne repousse la prédestination si ce n'est l'invocation, rien ne prolonge l'existence si ce n'est la bonté, et on peut être privé de richesse en raison d'un péché qu'on commet. » Donc là, très important, c'est un hadith euh, euh, ici. Nahm. Plusieurs choses, plusieurs choses où je vais exhorter. La première, j'ai déjà fait un audio sur ce sujet, mais on va y revenir ici, rien ne repousse la prédestination, si ce n'est la vocation, est-ce que ça veut dire que ça change le destin, alors qu'on sait que le destin, non, ne va pas changer ce qui est écrit, ce qui est écrit, ce qui doit te toucher, te touchera, ce qui doit t'éviter, t'évitera, ce qui est passé, est passé, ce qui doit arriver, va arriver, ça, on ne peut rien y faire, d'accord, tu peux pas changer le destin, pourquoi, parce que euh, la plume est levée, et les, les écritures ont séché, voilà, tout est dans la tablette préservée auprès de la Tu ne vas rien changer. Mais quand on dit rien ne repousse la prédestination si ce n'est l'invocation, quand ici il est fait mention de ça dans le hadith, ça veut dire que l'invocation à l'intérieur même du Qadar, via ton libre arbitre, va repousser quelque chose qui allait arriver dans ton destin. Mais ça, c'est déjà écrit, en fait. C'est, c'est à dire que à l'heure actuelle, une chose arrive pour te toucher. D'accord? Et c'est prédestiné. Et c'est ton doigt qui va repousser cette chose prédestinée. D'accord Mais ça aussi c'était écrit. Vous, vous cernez la chose C'est-à-dire que ce qui euh, devait te toucher, en fait, ne devait pas te toucher. Ça allait te toucher. Mais ce qui était écrit, c'est que tu allais invoquer, et qu'Allah allait lever cette chose-là de toi. C'est ça la définition de rien ne repousse la prédestination, si ce n'est l'invocation. Voilà. En gros, si tu n'avais pas invoqué, mais avec des si. Hein. Si tu n'avais pas invoqué, mais ça n'a pas été écrit de la sorte. Si tu n'avais pas invoqué, la chose t'aurait touché. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça parce que tu as invoqué. Vous comprenez Voilà. Donc, cette première chose, rien ne prolonge l'existence si ce n'est euh, la bonté, notamment. Je ne pas si dans le hadith, mais il y a des versions avec les parents. Alors, il y a des versions comme ça ici avec les parents. Vous voulez avoir une bonne, longue et heureuse vie. Voilà. Préservez le lien de parenté au maximum. C'est très important. Mais là, de manière générale, on dit rien ne prolonge l'existence si ce n'est la bonté. Donc, soyez bons. Soyez bon envers autrui, ça prolonge l'existence dans le réel. Et on peut être privé de richesse en raison d'un péché qu'on commet. Voilà, privé de richesse, alors ça peut être différente. Ici, c'est richesse de manière générale. Je pense, Wallah Harlem qu'il les fait mention ici de richesse, notamment dans le Donc, perdre euh, une part de subsistance, être privé de sa part de subsistance en raison d'un péché qu'on commet. Donc, c'est pour ça qu'on voit les gens, malheureusement, aujourd'hui, qui enchaînent galère sur galère. Et beaucoup de gens se plaignent. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je galère de ci, j'en galère de ça. Je n'arrive pas voilà, à avoir des, des richesses, des biens de ce bas monde. Et beaucoup de gens se plaignent, mais quand tu leur dis reviens à ta pratique de din, ils boudent, ils grincent des dents. Et pourtant, euh, ils sont dans des péchés. En fait, ils ne comprennent pas que ce sont les péchés qui bloquent la venue de la subsistance. La subsistance est comme, Yernie, euh, 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 quelque chose, si on pouvait imaginer comme ça, quelque chose qui doit dévaler euh, le long, le long d'une colline. Ça doit venir vers toi, d'accord Malheureusement... Ici, avec tes péchés, tu as mis des, des grosses pierres et des barrières sur cette colline. Ce qui fait que la venue de ta subsistance se retrouve soit ralenti, soit carrément elle est bloquée. Elle est bloquée quoi Elle est bloquée derrière une pierre, elle est bloquée derrière une barrière, malheureusement. voyez Et c'est avec le tau'ba qu'on arrive à casser ces rochers, à casser ces barrières, pour que la subsistance finisse par venir. Mais être privé, ici, d'une richesse faite de en raison d'un péché, elle pas, est à arme c'est ça la base. Si les choses que tu attendais dans ton dîne, mon frère, ma soeur, tu espères ça, tu espères ça, tu aurais envie de ça, tu veux tu veux diverses choses, je comprends tout à fait, c'est normal. Hein, tu, voudrais, tu voudrais des choses dans le dunya. Mais ça ne vient pas, tu es bloqué et tu es malheureux, malheureuse. Bah, sache que c'est par rapport à tes péchés. C'est tes péchés qui bloquent l'avenue de cette chose-là. Donc repends-toi et Inch'Allah, les choses vont se débloquer. Comme l'avait dit Ibn hein, le fait que les sirfars, plutôt que le fait que le hamdulillah, ici attire, attire le bien. Rajoute du bien, mais il là, et que les styrfars débloquent les, les cadenas. Voilà. Quant au fait de dire être privé de richesse, oui, des richesses dans ce bas monde, mais on pourrait euh, aller plus loin pour dire être privé de richesse, privé de dînes, c'est la plus grande des richesses. Par rapport au péché que tu commets, tu es privé de foi. Il n'y a rien de pire, comme on l'a vu, privé d'invoquer Allah, privé d'évoquer Allah, privé d'apprendre, euh, privé de prier à l'heure. Il y a quoi comme pire privation Privation de, de la vraie richesse. Pourquoi parce que tu es dans tel péché, tel péché, tel péché, et tu, tu es dans l'insouciance totale, et tu t'enorgueillis quand on te fait le rappel, tu restes, tu persistes dans ton péché, vraiment sciemment, bah, ça te bloque beaucoup de richesses, y compris la richesse spirituelle. Qu'Allah nous facilite à comprendre cette chose-là, et qu'Allah nous préserve. Wallahu alaym. Donc, ça, c'était le point 1. Quant au point 2, il est cité comme suit l'insistance dans l'invocation. Donc, le fait de ne pas se lasser. Le fait d'être insistant dans l'invocation, même si ça tarde à venir, ce sera le prochain point, enfin. Dans d'autres choses, c'est expliqué, euh, notamment l'empressement concernant l'exhaustion. C'est le prochain point, bon, on en parlera. C'est pas parce que ça, ça tarde que tu dois te lasser. Et malheureusement, encore une fois, beaucoup de gens s'impatientent. Ils se lassent. Ils qu'une fois, deux fois, trois fois, et ils ne voient pas de changement immédiat. Du coup, ils se lassent et du coup, ils arrêtent. Et ça, c'est très, très, très dommage, très dangereux, parce que derrière. S'il y a lassitude et arrêt d'invocation, il ne faut pas espérer les choses qu'on avait demandées. Il faut être constant dans l'invocation. Même si ça met du temps. Donc il est dit si l'insistance dans l'invocation compte parmi les meilleurs remèdes. Abi Huraira anhu, rapporte que le messager d'Allah alayhi wa sallam, a dit celui qui ne demande pas à Allah, à Allah il se courrouse contre lui. Nahm. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se courrouse contre lui. Et, et Jean quand tu leur demandes, c'est eux, ils se courroucent contre toi. Donc pourquoi tu vas demander aux gens alors qu'ils sont en colère contre toi Mais tu omets de demander à Allah alors qu'Allah, au contraire, il est ravi de toi quand tu lui demandes, mais par contre il est en colère contre toi quand tu ne lui demandes pas. Donc soulage les gens et demande à ton Seigneur, Naim Et soulage-toi par la même occasion. Annas radiallahu anhu rapporte que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ne faiblissez pas dans l'invocation, car personne ne périt en invoquant. Personne ne périt en invoquant, et ne faiblissez pas. Ne faiblissez pas, je pense que c'est clair. Voilà, il faut être vraiment euh, être ardent, euh, arracher comme ça l'invocation. C'est très très important. Beaucoup, 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 beaucoup. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ne jamais s'arrêter. Et car personne ne périt en invoquant, qu'est-ce que ça veut dire Tu ne seras pas privé, tu ne seras pas lésé, tu vas te sortir de tous tes problèmes avec l'invocation. Bidney là avec l'invocation. Personne ne périt. Si réellement une personne, elle invoque Allah, elle place sa confiance en lui, quel que soit le problème dans lequel elle est. Vraiment, des espoirs, des attentes, ce que vous voulez, des, des choses qui lui manquent, des choses qui lui font, font souffrir actuellement, comme ça on disait la, la guérison euh, par rapport à l'amour fou ou quoi que ce soit. En fait, l'invocation euh, t'empêche d'être dans la haine, t'empêche d'être dans la peine, t'empêche d'être euh, dans la perdition en fait, car nul ne périt, personne ne périt en invoquant. C'est pas possible. Allah t'enverra ce qu'il te faut puisque tu lui demandes, subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi Allah il va te léser et il va te priver et Il va te faire périr, non ceux qui ont fini par périr, ce sont en général ceux qui se sont euh, ici privés d'invocation. El Aouza'i rapporte d'après Azouri, d'après Aisha, euh, anha, que le messager d'Allah a dit Allah aime ceux qui insistent dans l'invocation. Allah il aime ceux qui insistent dans l'invocation. Cependant, ce hadith, il est cité dans le Da'if, il est inventé, bien que le sens soit juste. Fait qu'Allah aime ceux qui insistent dans l'invocation. C'est vrai. Mais tel qu'il est formulé, ce n'est pas authentique. Ce qui est authentique c'est qu'il s'agit d'une parole attribuée à l'Awzaï qui dit La meilleure des invocations consiste à insister et à implorer Allah. Ainsi que la rapportée elle, l'Awqayli. Donc on va créer en c'est une parole de vérité, mais d'un salaf. On ne peut pas attribuer ça au messager d'Allah, sallallahu alayhi même si c'est vrai. C'est-à-dire le contenu. Dans Zwa, l'imam Ahmed rapporte d'après Qatada que Muarrita a dit je n'ai trouvé comme exemple pour illustrer la situation du croyant que celui d'un homme sur un bout de bois au milieu des flots qui invoque ya rab ya rab afin qu'allah le sauve donc c'est l'endroit ici le moment cette, cette peur cette crainte qui te fait euh, pousser le touri dans ton cœur et là réellement la personne elle va l'invoquer à avec euh, avec une une force une sincérité et une fougue sans précédent voilà parce que elle est euh, elle est comme ça, sur un bout de bois au milieu des flots, complètement perdue. Et j'avais déjà dit cela. Je l'avais déjà dit, justement comme il le fait ici, l'illustration du croyant, comme l'homme qui est sur un bout de bois au milieu des flots et qui invoque Seigneur, Seigneur, afin qu'il le sauve. Dans la vie de tous les jours, on devrait raisonner comme ça. On devrait se sentir comme, euh, je disais, comme euh, sur un bout de bois au milieu de l'Atlantique. On devrait se sentir comme ça, mais à chaque instant, en fait. Même quand on n'est pas dans cette situation périlleuse, délicate et gênante. On devrait invoquer Allah avec insistance de la même manière. Même quand on n'est pas dans une grande détresse. Vous comprenez Parce qu'on a toujours besoin qu'Allah nous sauve. On a toujours besoin qu'Allah nous aide. Vous comprenez le bien hein Ce n'est pas que quand la situation est dramatique, que quand on la sent dramatique, en tout cas, quand on se sent acculé, quand c'est difficile, qu'il faut se précipiter à invoquer Allah. Non, là il a dit, il faut se souvenir de lui. Lorsqu'on est bien, il se souviendra de nous lorsqu'on sera mal. D'accord C'est pas que dans les moments périlleux et difficiles qu'on doit se dire « Ah, oh, je me précipite, j'invoque Allah ». Même quand, entre guillemets, toi, tu te sens bien, tout va bien, ici, alors, tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te, qu te facilite, tout simplement. Dans, dans le futur, dans tes affaires, qu'il te préserve, qu'il te raffermisse dans le bien dans lequel tu te trouves, apparemment, actuellement, autant que tu puisses en juger, en tout cas. Voilà. Avec l'œil du din encore une fois, et pas l'œil de la dunya, en ne considérant pas le haram comme étant du bien, tout ce qu'on a déjà expliqué. Vraiment, tu juges ta situation en fonction de ce que tu connais de de, de halal et de taïb et de bon et alhamdoulilah, de religieux tu demandes qu'Allah te raffermisse donc sur ça et tu l'invoques comme ça avec, avec euh, vraiment fermeté et de même euh, même si on n'est pas au milieu d'un bout de bois euh, euh, sur un bout de bois pardon au milieu de l'eau bah, pour les choses de, de détresse d'angoisse de peur de ceci de ça ou de demande de préservation pareil pareil avec euh, la même ardeur et puis euh, demander comme ça euh, tous les jours. En fait, on invoque Allah pour qu'il nous préserve sur ce qu'il y a de bien et qu'il nous préserve du mal à venir ou du mal qui nous a déjà touché. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il ne faut jamais se lasser. Naam. Et Naam, mais on va s'arrêter là pour, euh, pour le cours. On reprendra plus tard avec le point numéro 3, l'empressement concernant l'exaucement, les temps d'exhaussement Et autres sujets encore. Parmi les secrets d'invocation, etc autour du premier remède, l'invocation. Le cours est un petit peu, un peu concis, j'aurais aimé faire plus long, mais j'en ai été empêché. Au inshallah, on essaiera de faire plus long au prochain cours. Baakallahu wa wallahu a'lam wa ahkam, subhanallah kahumma wa bihamdik, ashhhadu la ila ila anta, astaghfiruka wa atubuleika, baakallahu fikum, wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.